Allô Margot, tu fais quoi demain? Rien, pourquoi? Ben j'ai deux places pour le concert des Ramones. C'est génial! Ouais, alors je me demandais si ça te dirait de venir avec moi. Bah, ça aurait été avec plaisir, mais je dois préparer un exposé pour mardi. Mardi, mais tu as largement le temps. Pas tant que ça, je n'ai pas commencé et je ne sais vraiment pas quoi faire. Allez, c'est une occasion unique, et puis ça finira assez tôt. C'est vrai que c'est tentant, mais non, je pense que c'est mieux que je reste chez moi. Arrête, ça va te changer les idées. En plus, je serai en voiture, je pourrai te ramener chez toi après. C'est bon, Franck, n'insiste pas. C'est très gentil de ta part de me proposer de venir, mais je préfère rester chez moi, ok? Bon, comme tu veux. Salut. Salut. André. Bonjour, monsieur Gabriel. Comment allez-vous aujourd'hui? Gabriel. Ça va bien, merci. As-tu préparé les documents pour la rencontre d'aujourd'hui? André. Oui, on a un dossier pour chacun de nos clients. Gabriel. À quelle heure arrive ceci? André. Ils doivent arriver. Ils m'ont appelé il y a 2 minutes. Les voilà. Bonjour, madame, monsieur. Ils sont Marie Constantinescu et Christian Mayor, nos clients. Gabriel. Je suis enchantée de vous connaître. Marie. C'est un grand plaisir pour nous. Peut-on commencer? André. Oui, bien sûr. Puis-je vous offrir un café? Marie. Oui, s'il vous plaît. Nous représentons deux des plus grandes compagnies opérant sur le marché, Coca-Cola et Lidl, et on a besoin de vos études de marché pour un sondage concernant un nouveau produit qu'on voudrait y lancer. Nous voulons savoir quel impact aura celui-ci sur nos possibles consommateurs. C'est pour cela que nous vous avons contacté. Gabriel, vous savez bien qu'on est l'une des entreprises les plus sérieuses en ce qui concerne les études de marché. Donc, on est à votre disposition. Christian, le sondage pour le nouveau produit demande quelques conditions particulières de développement. Je vous explique immédiatement. Le résultat du sondage doit être finalisé dans une semaine et pour cela, on a besoin de 10 000 personnes interviewées, hommes et femmes, âgés entre 18 et 55 ans, du milieu urbain. Croyez-vous que vous puissiez réaliser ce projet? Gabriel. Bien sûr, nos employés travaillent en équipe. De 8 h du matin à midi, de 14 h à 20 h et de 20 h à minuit, de manière à couvrir tous les intervalles de temps. Tous ceux-ci travailleront à ce projet. On a des ressources humaines suffisantes pour venir à temps. Marie, c'est bien. Je vois que vous êtes préparée à collaborer avec nous. Christian, il y a aussi le côté financier. Notre budget est de 5 000 euros. Cela vous semble-t-il intéressant? Gabriel, c'est assez convenable. Qu'en penses-tu, André? André,
Je suis entièrement de votre avis. Christian. Alors, on signe le contrat et à partir de lundi, vous pouvez démarrer le sondage. On parlera au téléphone pour établir quelques détails supplémentaires. Gabriel. Certainement, ce fut un plaisir de vous connaître. Au revoir. Marie. Au revoir, monsieur Gabriel. Christian. Au revoir. Conseil d'une voisine. Je suis fatiguée en ce moment. Prenez des vacances, reposez-vous. Oui, bien sûr. Mais je ne peux pas prendre de vacances en ce moment. J'ai trop de travail. Arrêtez de travailler comme une folle, c'est mauvais pour la santé. Facile à dire. Faites comme moi, faites du sport, prenez des vitamines, cela fait du bien. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Ce n'est pas possible. Regardez, il y a le parc juste à côté. Allez-y le matin et faites un petit jogging. Du jogging le matin? C'est fatigant. Eh bien, ne faites pas de jogging, mais promenez-vous. Occupez-vous de votre santé. Vous aimez bien donner des conseils, non? Soixante-seize. Argumenter quelque chose, 2. Giving reasons, 2. Pourquoi n'es-tu pas venu? Why didn't you come? J'étais malade. I was ill. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. I didn't come because I was ill. Pourquoi n'est-elle pas venue? Why didn't she come? Elle était fatiguée. She was tired. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. She didn't come because she was tired. She didn't come because she was tired. Pourquoi n'est-il pas venu? Why didn't he come? Il n'avait pas envie. He wasn't interested. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. He didn't come because he wasn't interested. He didn't come because he wasn't interested. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Why didn't you come? Notre voiture était en panne. Our car is damaged. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. We didn't come because our car is damaged. We didn't come because our car is damaged. Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? Why didn't the people come? Ils ont manqué le train. They missed the train. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. They didn't come because they missed the train. Pourquoi n'es-tu pas venu? Why didn't you come? Je ne le pouvais pas. I was not allowed to. I was not allowed to.
Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas. I didn't come because I was not allowed to. I didn't come because I was not allowed to. Entrez. Bonjour. Bonjour, vous êtes Maryse Dutemps. Oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, vous avez 22 ans et vous avez déjà travaillé dans la vente. Oui, j'ai passé un bac pro de vente. J'ai fait plusieurs stages dans des boutiques de vêtements. Dans votre CV, il est indiqué que vous avez aussi travaillé dans un fast-food ? Oui, j'y ai travaillé pendant 2 ans. Et c'était comment le travail là-bas ? Les conditions de travail étaient correctes. La direction m'avait aménagé un emploi du temps qui s'adaptait bien à mes études. Vous êtes toujours étudiante ? Non, mais comme je ne trouve pas de CDI, j'ai pensé faire un travail saisonnier. Et vous avez une idée du travail qu'on vous propose ici ? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de tenir l'épicerie du camping. Oui, enfin, c'est plus qu'une épicerie, hein. C'est à la fois la boulangerie, la confiserie, la poste et le bureau de l'office de tourisme. C'est très complet, ça doit être très intéressant. On doit rencontrer beaucoup de gens. Oui, c'est une clientèle très internationale. Vous avez indiqué que vous parliez anglais et allemand ? Oui, enfin, je me débrouille. Ok, could you introduce yourself in English, please? Yes, of course, but I don't, I'm desolated. Well, I don't speak English very well. Oui, j'avais compris. Et votre allemand? Ben, c'est pas meilleur. Bon, en fait, je cherche quelqu'un de trilingue. Je suis désolé. Tant pis, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Laissez la porte ouverte en sortant. Comme ça ? Oui, merci. La cliente. Bonjour, je voudrais une coupe. Êtes-vous disponible maintenant ? La coiffeuse. Bonjour, bien sûr, assieds-toi. Tout d'abord, je te peignerai les cheveux parce qu'ils sont longs et se mêlent facilement. Comment veux-tu que je te coupe les cheveux ? La cliente. Seulement quelques centimètres, pas trop. Je veux les laisser pousser. La coiffeuse. Très bien. La cliente. Et je voudrais aussi que vous me coupiez une frange, s'il vous plaît. La coiffeuse. Oui, bien sûr. C'est comme tu veux. 20 minutes plus tard. La coiffeuse. Tu es prête. Regarde-toi dans le miroir. La cliente. J'aime bien la coupe. Merci. Je vous dois combien ? La coiffeuse. Ça fait 10 euros. La cliente. Au revoir. La coiffeuse. À la prochaine fois. Où se trouve la prochaine station de métro ? Juste là, au coin de la rue. Alors, Peter, allons-nous à Piccadilly Circus ou à Trafalgar Square ? Regardons le plan d'abord. Je veux pas me perdre dans le métro. Peu importe, il tourne tout autour de Londres. Seventy-seven. Argumenter quelque chose, 3. Giving reasons, 3. Giving reasons, 3. Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte? Why aren't you eating the cake? Why aren't you eating the cake? Je dois maigrir.
I must lose weight. I must lose weight. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. I'm not eating it because I must lose weight. I'm not eating it because I must lose weight. Pourquoi ne buvez-vous pas la bière? Why aren't you drinking the beer? Why aren't you drinking the beer? Je dois encore conduire. I have to drive. I have to drive. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. I'm not drinking it because I have to drive. I'm not drinking it because I have to drive. Pourquoi ne bois-tu pas le café? Why aren't you drinking the coffee? Why aren't you drinking the coffee? Il est froid. It is cold. It is cold. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. I'm not drinking it because it is cold. I'm not drinking it because it is cold. Pourquoi ne bois-tu pas le thé? Why aren't you drinking the tea? Why aren't you drinking the tea? Je n'ai pas de sucre. I have no sugar. I have no sugar. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. I'm not drinking it because I don't have any sugar. I'm not drinking it because I don't have any sugar. Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? Why aren't you eating the soup? Why aren't you eating the soup? Je ne l'ai pas commandé. I didn't order it. I didn't order it. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandé. I'm not eating it because I didn't order it. I'm not eating it because I didn't order it. Pourquoi ne mangez-vous pas la viande? Why don't you eat the meat? Why don't you eat the meat? Je suis végétarienne. I am a vegetarian. I am a vegetarian. Je ne la mange pas parce que je suis végétarienne. I'm not eating it because I am a vegetarian. I'm not eating it because I'm a vegetarian. Tu as vu? Il parle d'obliger les enfants à porter l'uniforme à l'école. On en parle tous les ans. Personne n'est jamais d'accord sur ce sujet. Et tu en penses quoi, toi? Je ne vois pas l'intérêt. Je ne pense pas qu'un uniforme va changer quelque chose dans le comportement des élèves. Les partisans de l'uniforme disent que ça réduirait les inégalités. Tu parles. L'uniforme ne va faire disparaître ni les différences sociales, ni les écarts scolaires. Peut-être, mais on dit qu'avec l'uniforme, les professeurs auraient devant eux l'image de l'unité républicaine. Oui, et alors? Eh bien, les élèves, en portant l'uniforme, seraient en quelque sorte contraints de sortir d'eux-mêmes, d'obéir à une certaine forme d'uniformité républicaine. C'est du blabla tout ça. Les temps ont changé. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. On ne reviendra pas en arrière. Au fond, je ne suis pas contre le port de l'uniforme. Je considère seulement qu'après l'avoir supprimé, ça me paraît impossible de l'imposer à nouveau. Anne. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Quel plaisir de te revoir. Laure. Bonjour ma chère tante, je suis si heureuse que tu aies réussi à arriver à l'occasion de mon mariage qui aura lieu demain. Anne. Dis-moi, t'es-tu bien préparée? Comment les choses ont-elles évolué? Il s'est écoulé beaucoup de temps depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Laure.
C'est vrai. Tout premièrement, j'ai fait une réservation pour la salle. C'est un restaurant d'une capacité totale de 80 places. Ensuite, je suis allée au prêtre pour établir la date du mariage religieux et la liste des invités, je l'ai dressée il y a 2 mois lorsque j'ai envoyé aussi les invitations. Anne, et le mariage civil? Laure, nous avons fait le mariage civil la semaine passée. Anne, quels sont les documents dont vous avez eu besoin pour le mariage civil? Laure, nous avons eu besoin de nos actes de naissance, de 2 témoins et de l'acte de baptême. Anne, j'ai compris. Et pour la lune de miel, où avez-vous pensé d'y aller? Laure, nous allons une semaine en France, à Paris. Je suis si impatiente. Anne, et la robe de mariée? Laure, je n'ai montré à personne ma robe de mariée. Je veux que ce soit une surprise pour tout le monde. J'ai fait 5 essayages pour la robe. Mais, si tu veux, je peux te montrer les souliers de mariée. Anne. Oui, certainement. Et les autres détails? Laure, la programmation pour la coiffure et le maquillage est prévue à 8h du matin. Et aujourd'hui, à 16h, je dois aller chez la cosméticienne. Anne, quelle fleur as-tu choisie pour le bouquet de mariée? Laure, j'ai choisi des roses blanches. Ce sont mes fleurs préférées. Anne, et quoi d'autre devrais-tu faire? As-tu choisi le menu? Laure, oui, c'est le menu classique. Tout va bien jusqu'ici. Anne, je suis si heureuse pour toi, comme si j'étais la jeune mariée. N'oublions pas le riz. Laure, oui, tu peux t'imaginer dans quel état je me trouve. Je te remercie, ma chère tante, que tu es ici, à côté de moi. Une surprise pour papa. Maman, viens! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sois gentille, ma chérie, réponds au téléphone. Allô? Oui, c'est papa. Dis à papa que je ne suis pas là. Maman n'est pas là! Demande-lui à quelle heure il va rentrer. Et ne lui dis pas que Xavier est arrivé, c'est une surprise. Papa, reviens vite! Il y a une surprise pour toi! Chut! Ne lui dis rien, c'est pour son anniversaire. Soixante-dix-huit. Seventy-eight. Seventy-eight. Adjectif 1. Adjectives 1. Adjectives 1. Une vieille femme. An old lady. An old lady. Une grosse femme. A fat lady. A fat lady. Une femme curieuse. A curious lady. A curious lady.
Une nouvelle voiture. A new car. A new car. Une voiture rapide. A fast car. A fast car. Une voiture confortable. A comfortable car. A comfortable car. Un vêtement bleu. A blue dress. A blue dress. Un vêtement rouge. A red dress. A red dress. Un vêtement vert. A green dress. A green dress. Un sac noir. A black bag. A black bag. Un sac brun. A brown bag. A brown bag. Un sac blanc. A white bag. A white bag. Des gens sympathiques. Nice people. Nice people. Des gens polis. Polite people. Polite people. Des gens intéressants. Interesting people. Interesting people. Des enfants affectueux. Loving children. Loving children. Des enfants effrontés. Cheeky children. Cheeky children. Des enfants sages. Well-behaved children. Well-behaved children. Viens par ici, je crois qu'il y en a des beaux. Oh oui, tu as vu la taille? La forme est parfaite, on va se régaler. Ce n'est pas un cèpe, celui-là? Non, la chair n'est pas jaune, tu vois bien. Et puis regarde la forme de la tête, il n'est pas très large. C'est quoi alors? C'est un bolet. Ça se mange? Oui, c'est comestible, tu peux le mettre dans le panier. Là-bas, il y en a un beau aussi. Non, attends, n'y touche pas. Il est vénéneux? Extrêmement, il peut être mortel. Tu plaisantes. Jamais avec les champignons. C'est une amanite phalloïde. On continue jusqu'à quelle heure? J'ai mal au dos. Tu as raison, on en a suffisamment pour faire une superbe omelette. Et dis, comment je fais, moi, si je veux aller à la chasse aux champignons quand tu n'es pas là? Eh ben, tu n'as qu'à y aller seulement quand je suis là. Non, mais sérieusement? D'abord, tu peux utiliser un petit livre avec des photos et des informations. Quand tu as un doute, tu ne le prends pas. Sinon, tu mets ceux dont tu n'es pas certain à part et tu les montres au pharmacien. Au pharmacien? Il s'y connaît en champignons? Et pas qu'un peu. Bon, allez, c'est bon pour aujourd'hui. On rentre. Marion. Je suis garçon. J'ai les yeux bleus et les cheveux blonds. Et je me considère comme maigre parce que je n'ai que 68 kilos pour 1m80 cm de hauteur. J'ai une constitution athlétique. Anne. J'ai les cheveux longs et châtains et les yeux noirs. Je me considère comme normale parce que j'ai 1m70 cm d'hauteur et 58 kilos. Je suis bien dans ma peau. J'ai le nez retroussé. Catherine. J'ai les cheveux courts et roux et les yeux verts. J'ai toujours aimé porter les cheveux courts. Il est vrai que je suis un peu petite. Je mesure 1m58 cm et un peu grosse, ayant 60 kilos, mais tout le monde m'aime comme je suis et je me sens à l'aise avec moi-même. Ma peau est pâle. Robert. Je suis garçon, j'ai les yeux marrons et les cheveux châtains foncés. Je suis un peu en surpoids,
J'ai 95 kilos pour 1,85 m d'auteur. Certains me disent que je suis gros et que je dois nécessairement perdre du poids. Radu. J'ai les yeux bleu-vert et les cheveux blonds foncés. Je suis en ce poids parce que je mesure 1,78 m et j'ai 60 kilos. Je pratique beaucoup de sport et c'est pour cela que je suis si maigre, comme mes amis le disent. Je dirais plutôt que je suis en forme. Qu'en pensez-vous? Parle-moi de ta famille, tu as des frères et des sœurs? J'ai deux frères et une sœur cadette. Mon frère Marc s'est marié l'année dernière et sa femme est enceinte. Mon second frère Olivier travaille pendant un an en Malaisie. Ma sœur Anne est encore à l'école primaire. Quelle grande famille! Moi je suis fille unique. Et tes parents? Mon père est architecte, ma mère bénévole dans une association caritative. Ma grand-mère vit à la maison depuis la mort de mon grand-père. Mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Je vis maintenant avec ma mère qui s'est remariée. Je vis avec ma belle-famille, Cinéade, c'est ma demi-sœur. Je rends visite à mon père 2 fois par mois et nous passons les vacances d'été ensemble. Es-tu étudiant? J'étudie pour être ingénieur dans l'aéronautique. Je vais bientôt faire un stage à Toulouse. Et toi? J'aimerais enseigner l'anglais à l'étranger. J'envisage de m'installer en France si je peux. Seventy-nine. Adjectif 2. Adjectives 2. Je porte une robe bleue. I am wearing a blue dress. Je porte une robe rouge. I am wearing a red dress. Je porte une robe verte. I am wearing a green dress. J'achète un sac noir. I'm buying a black bag. J'achète un sac brun. I'm buying a brown bag. J'achète un sac blanc. I'm buying a white bag. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. I need a new car. J'ai besoin d'une voiture rapide. I need a fast car. J'ai besoin d'une voiture confortable. I need a comfortable car. En haut habite une vieille femme. An old lady lives at the top. En haut habite une grosse femme. A fat lady lives at the top. En bas habite une femme curieuse. A curious lady lives below. Nos hôtes étaient des gens sympathiques. Our guests were nice people. Nos hôtes étaient des gens polis. Our guests were polite people.
Nos hôtes étaient des gens intéressants. Our guests were interesting people. Our guests were interesting people. J'ai des enfants affectueux. I have lovely children. I have lovely children. Mais les voisins ont des enfants effrontés. But the neighbors have naughty children. But the neighbors have naughty children. Est-ce que vos enfants sont sages? Are your children well behaved? Are your children well behaved? Oh non, mais c'est pas vrai, c'est encore la grève. Oui, madame, vous allez où? J'avais un train pour Strasbourg. Je dois être là-bas avant midi pour une réunion importante. Je crois que ce matin, ça ne va pas être possible. Non, mais franchement, vous n'en avez pas marre à la SNCF? Je n'y suis pour rien, madame. Et moi, j'y suis pour quelque chose, peut-être? Non, mais franchement, c'est incroyable. C'est toujours les usagers qui sont pris en otage avec vous. Si encore vous n'étiez jamais en retard, je ne dirais pas. Mais quand même, il y en a ras-le-bol des grèves à répétition dans les transports en commun. Madame, je comprends votre colère. Je suis là pour essayer de vous aider à trouver une solution. Oh, mais j'en ai pas après vous. Vous êtes au travail en ce moment. Non, c'est juste que c'est rageant de devoir toujours subir des mouvements de grève à répétition. Je ne devrais pas me mettre en colère comme ça. Excusez-moi. Alors, le prochain train pour Strasbourg, c'est pour quand? D'après ce que je sais, celui de 13h sera bien au départ. Mais ce n'est pas sûr? Non. La situation est en train de dégénérer. D'après ce que je sais, ça risque de se durcir si la négociation de ce matin n'aboutit pas. Alors, je fais comment, moi? Anne, dis-moi, Catherine, s'il te plaît, quel temps fait-il selon les prévisions météo à la télé? Ai-je besoin de parapluies ou d'autres équipements de protection? Catherine, je ne le crois pas. Le ciel sera clair et un peu nuageux ailleurs. Anne, et les températures? Catherine, les températures minimales montent doucement et les maximales seront autour de 23 degrés en ville. Anne, et concernant les précipitations, que disent les prévisions? Catherine, les précipitations apparaîtront vers midi sous forme d'averses. Anne, je veux aller à la montagne ces jours-ci. Qu'en penses-tu? Catherine, à la montagne, les températures baissent doucement. Les températures maximales sont de 18 degrés. Le vent est faible et modéré ailleurs. Anne, alors où me conseilles-tu d'aller? Catherine, à la mer, puisque les températures seront de 29 degrés. Il fait certainement très beau là-bas, sans précipitation, au moins pour 3 ou 4 jours. Le soleil brille fort. Anne, merci beaucoup. Alors, j'irai à la mer. Quel âge tu as? J'ai 10 ans. Quand es-tu née? Je suis née en 1996. J'ai 10 ans maintenant. Ton anniversaire est quand? Le 5 janvier. Le mien est le 21 mai. Mais je vais avoir 7 ans. 7 ans? C'est l'âge de raison. Eighty. Adjectif 3. Adjectives 3. Adjectives 3.
Elle a un chien. She has a dog. She has a dog. Le chien est grand. The dog is big. The dog is big. Elle a un grand chien. She has a big dog. She has a big dog. Elle a une maison. She has a house. She has a house. La maison est petite. The house is small. The house is small. Elle a une petite maison. She has a small house. She has a small house. Il loge dans un hôtel. He is staying in a hotel. He is staying in a hotel. L'hôtel est bon marché. The hotel is cheap. The hotel is cheap. Il loge dans un hôtel bon marché. He is staying in a cheap hotel. He is staying in a cheap hotel. Il a une voiture. He has a car. He has a car. La voiture est chère. The car is expensive. The car is expensive. Il a une voiture chère. He has an expensive car. He has an expensive car. Il lit un roman. He reads a novel. He reads a novel. Le roman est ennuyeux. The novel is boring. The novel is boring. Il lit un roman ennuyeux. He is reading a boring novel. He is reading a boring novel. Elle regarde un film. She is watching a movie. She is watching a movie. Le film est captivant. The movie is exciting. The movie is exciting. Elle regarde un film captivant. She is watching an exciting movie. She is watching an exciting movie.